Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Faites du bruit. Faites du bruit. Ma faute. Allez, prends le sort. Faites les photos. Les sirènes sont permis. Les sirènes sont permis. Les sirènes sont permis. Salut les filles. Salut les filles. Salut. Chacun son micro. Chacun son micro. Allez, on va faire l'interview à deux. On va faire l'interview avec Honorine. Beaucoup vous voient dans les réseaux sociaux. Je vais commencer par Fleur de Lille. Tu viens d'où? Tu es d'où? Qu'est-ce que tu fais? Bonsoir René. Bonsoir tout le monde. Bonsoir René. Bonsoir les abeilles. Allez. Bonsoir la TKC. Bonsoir. Bonsoir la TK. Le clash de la gloire. D'être venu ce soir nous soutenir, mon patriote compresseur et moi. J'ai l'habitude des soirées, mais je suis toujours timide. Je m'en excuse. Vous savez, derrière les caméras, on a la force de parler, de babader beaucoup, mais en face, on n'a pas le même courage. C'est clair. Et nous sommes là ce soir pour s'amuser avec vous. Je tenais à remercier l'initiative du Mandela. Très très grand projet. Je pense que c'est le tout premier restaurant africain à buffet à volonté. Franchement. Et on tenait à vous remercier parce que j'ai vu les efforts, je ne vois pas la vidéo de votre personne, tout ce que vous faites de grandir. Et j'aimerais vous tirer un coup de chapeau, c'est pas facile. Merci. Entre nous, les Camerounais surtout, c'est très difficile de s'encourager parce que nous sommes. Voilà. Donc ne baissez pas les bras, nous sommes avec vous. Voilà, compresseur, je vais parler de compresseur. Compresseur, c'est ma compatriote. Compresseur, c'est ma sœur. Nous avons fait 6 ans de guerre sur les réseaux sociaux. C'est énorme. 6 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Depuis 2014 jusqu'en 2021, qu'on s'est réconciliés. En fait, cette guerre, c'est pas parce qu'on se connaissait, on ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vu. Et puis, c'est arrivé, le Seigneur a agi dans nos vies et j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon courage, je l'ai appelé, je lui ai dit, je t'apprécie, je t'aime beaucoup, arrêtons, déposons les armes, ça ne sert à rien de s'entretuer, on vient d'un même pays, même si c'est des régions différentes, on s'aime. Et bravo. Notre père a permis de savoir que le Cameroun est uni et indivisible. Amen. Donc je tenais encore à dire à ceux qui sont derrière les réseaux sociaux qui nous regardent, je tenais à vous dire, ne mettez pas trop les organes dans Facebook parce que c'est les réseaux sociaux. Au-delà des réseaux sociaux, nous avons la vie privée. Et vraiment, allez-y doucement parce que ça détruit beaucoup de personnes. Nous avons perdu beaucoup de choses. C'est vrai que nous sommes déjà dedans, on a décidé d'être là, c'est comme ça, mais nous avons sacrifié nos familles. C'est pas facile de supporter les injures tous les jours, de supporter le sabotage et tout, mais bon. Nous sommes au-dessus de tout ça parce que nous sommes désormais les célébrités. Compresseur, tu es ma sœur, je t'apprécie, tu sais très bien. Oh là là, c'est mignon. Voilà quoi. Et vous. Avant la bise. Voilà. 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 Elle est timide. Compresseur, elle n'a pas l'habitude, vous la voyez, elle est tranquille parce qu'elle n'a pas l'habitude des soirées. Elle n'a pas l'habitude, moi j'ai l'habitude de faire tout ça, donc je peux comprendre sa timidité. Elle est très belle. C'est pas parce qu'elle vous évite, c'est pas parce qu'elle a envie d'être avec vous. Elle a besoin de s'habituer à ce genre d'événements-là. C'est l'une de, on va dire, la première ou la deuxième fois qu'elle vient en public comme ça. Donc je tenais à vous dire, nous vous aimons. Alors, moi, je suis dans les cosmétiques, désolée de parler beaucoup. Voilà, à travers les réseaux sociaux, j'ai rencontré des très bonnes personnes. J'ai rencontré aussi des personnes qui ont essayé de me détruire. Moi, on ne va pas regarder l'échec, on va plutôt regarder les faits qu'on avance. Alors, moi, j'ai créé ma propre marque, une marque de cosmétiques, de lait de toilette et de parfum, et puis de beaucoup de gadgets aussi. Donc, mon site internet, c'est www.fleurdelille.com.
rien faire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai ouvert également un magasin de vêtements il y a 2 mois à Creil. Voilà, donc je vous laisse parler de la... Je laisse la parole à la mère des orphelins. Hein. J'apprécie les œuvres caricatives que vous avez faites. Voilà, merci. Merci, ma pote. Tu ne bouges pas. Est-ce qu'on applaudit pour la reine-mère? Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Maintenant, allez, compris, soit. Là, on te connaît parce qu'on t'a vu. Je préfère plus quand on m'appelle Maman Perpé. Maman Perpé. Maman Perpé. La Maman Perpé, c'est la maman des orphelins. Oui, on t'a vu plusieurs fois dans les prisons, dans les orphelinats, avec des femmes en situation de handicap. Mais parlez-nous un peu de toi. Voici. Bonsoir à vos abeilles, bonsoir à la TKC, bonsoir aux sympathisants. Bon, moi je suis très timide quand je suis. Quand j'ai pas encore bu. Hein. Donc, c'est très vite et très court. Ça, c'est Roma. Voilà. C'est ça qui est ça. Bon, on va être un peu sérieux. Hein. Bon, je suis Maléva Perpétue, celle que vous connaissez tous, le pape, le monde entier. Avec la chanson. Voilà. Bon, je suis moi. Hein? C'est moi que vous avez vu là. Il n'y a pas une autre derrière. Très timide en vrai. Mais un peu folle de l'autre côté. Bon, on va dire, nous sommes dans les œuvres humanitaires. Je suis la maman des orphelins. Je suis la maman de tout le monde. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle Maman Perpé. D'accord? Bon, nous sommes venus au Mandela. Je vais parler de moi, on va parler du Mandela. Donc je veux remercier d'ailleurs notre soeur et son mari qui ont pris l'initiative de nous faire... Est-ce qu'on va applaudir pour le Mandela? Par rapport à notre réconciliation, ma soeur et moi. Bravo! C'est la maman des tabous. Hein. C'est tout. Je vous dis déjà. C'est le moment de Gabo. Moi, je vous dis la vérité ici. Elle appelle tous les jours pour avoir les nouvelles de Gabo. Voilà. Bravo! Donc, là, le Mandela, vous avez notre soutien en tant que des influenceuses camerounaises. Nous avons des copines et des copains qui sont des étrangers influenceurs aussi. Nous allons leur passer un mot de pouvoir faire la pub de notre maison. Donc, j'ai été là dans la journée. Le repas, il est. Est-ce qui? Est-ce moi? Il est. Je veux pas. C'est pas la pub, hein. J'ai pas besoin de faire la pub. Tu dis la vérité. Moi, quand ça va pas, il dit que ça ne va pas. Mais c'est même pour ça que vous. C'est pour ça que je suis célèbre, parce que vous n'avez pas la langue dans la poche. Non, moi, j'ai dit. Et maintenant, après, quand c'est gâté, déjà, il dit que ouais, je ne savais pas, je m'excuse. Mais j'ai quand même déjà dit. Donc, pour dire le Mandela. C'est pas seulement camerounais, c'est africain. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous avons accepté Fleur et moi de venir ici parce que nous avons fait notre réconciliation toutes les deux, mais c'est officiel au Mandela. Ici, au Mandela. Est-ce qu'on va vous lire, s'il vous plaît? C'est ici. Ça s'est passé ici. C'est Mandela qui a fait le grand travail. On va le dire comme ça. Donc Fleur, tu as tout dit, j'ai même plus besoin de parler. Je t'aime comme tu l'as. La personne que ça énerve ici se. Tu te rappelles de Tengrenga? La peine m'a donné la chair. Écoutez, là, ça va bien se passer. Ça va? Non, Flore. Flore. Moi, je suis très contente et je pense que c'est le Mandela, c'est ça. C'est toute cette paix. Je vais faire comme nos ancêtres. C'est-à-dire que pour sceller cette union, je vais vous donner une bouteille de champagne parce que je pense que vous adorez ça. On va l'ouvrir et vous allez changer de verre. Voilà. Merci. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Ça
pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un qui? C'est pas fini. Je pense que le Mandela est très fier de ça. Et au nom de toute notre équipe, toute l'équipe du Mandela, je vais vous donner ce présent que j'aimerais que vous puissiez ouvrir devant nous. J'espère qu'il vous fera plaisir. Comme ça, vous repartirez avec un souvenir. Nous, on l'a dans le cœur. Et vous l'aurez chaque fois qu'il arrivera quelque chose et que vous poserez des questions. Il suffira de regarder ça. Et je pense que tout se passera bien, ça va me calmer. Bravo. On est laissé, ça reste toi ici, la bière, moi je dis. Moi je dis la bière, j'ai la bière. Toujours, ça se voit. Il faut lire ce qui est écrit dessus. Je lis. Oh, hey. Flore. Ça me plaît bien. Il faut lire. Oh, c'est magnifique. Des Camerounais. Bon, elle est tellement émue. Je vais lire. Allez, tu vas lire. Vas-y. Hey, compresseur. Hey, nyawa. 6 ans de guerre. Je demande pardon. C'est ne reciter avec moi-même. Pardonne-moi. Hey. Ça me touche. Fleur de Lys et compresseurs, soyez de réconciliation, restaurant Le Mandela à Brest, le 23 octobre 2021. Que c'est beau. Regardez ça. Est-ce que ce n'est pas pour ça? L'histoire a eu lieu au Mandela, ce 23 octobre 2021. Merci à Laurine, merci à Jolivet, maman, merci au Mandela, merci au public, merci. Regardez ça, que c'est magnifique, merci. Je voudrais dire à toutes les deux, cette plaque que vous avez, sachez que cette plaque, on la grandira, on la mettra dans notre restaurant. Voilà. Mais il faut vous dire, on va mettre ça, ça sera marqué ici au restaurant. Elles ont fait 6 ans de guerre, 6 ans tous les jours. Sachez que aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est marqué ici au Mandela. Il y avait les témoins. C'est vous le témoin de l'histoire. Mets-toi l'étude. Merci. Maintenant, on va s'asseoir. Allez, on va enlever les émotions.